Je dirais que Nectar Palace, c'est un juste milieu intéressant entre le rock et l'électronique sur le spectre du pop. Insensé de passer la journée à célébrer l'hypnose. Quoi qu'il en soit, on s'entête à porter nos lunettes. Ben, tu sais, ce projet-là aujourd'hui, il a été comme alimenté par mes inspirations des dernières années, qui sont mes collaborations, puis les groupes avec lesquels j'ai travaillé. J'ai touché à du disco punk, puis du pop électronique, puis du rock psychédélique, puis du dance, puis c'est comme un amalgame de tous ces trucs-là, finalement. J'ai toujours comme gardé un côté excentrique dans ma musique, puis je veux le présenter sans que ça soit de la musique de blague nécessairement. On n'est pas dans les jokes, mais j'aime maintenir un côté, une satire dans mon univers. Sur scène, j'ai envie de démontrer mon amour de la danse. J'aime danser. Je sais pas danser. Mais c'est exactement ce que j'ai envie de démontrer sur scène.